Bulletin spécial pour le tirage de la 10e maison Moisson-Beauce. Aujourd'hui, je me trouve en direct de Saint-Georges pour parler de la campagne de financement de la 10e maison Moisson-Beauce. La vente de billets va bon train. Mentionnons qu'il n'y a que 4000 billets disponibles sur le réseau de vente au coût de 100 $ l'unité. La réputation de la maison Moisson-Beauce n'est plus à faire. On connaît la qualité de la construction et le design toujours aussi charmant que distingué. La 10e édition de la maison Moisson-Beauce est une collaboration de Desjardins, Construction Robert Bernard et signée SP. La fébrilité est tangible. Qui repartira avec la 10e maison? Gagner la maison Moisson-Beauce, ça change votre vie. L'histoire a débuté avec M. Hugo Saint-Pierre il y a 10 ans. Voici en primeur le témoignage du gagnant de la première maison. Oui, moi, ça a changé ma vie, c'est sûr. Ça donne un bon coup de pouce. J'ai pas trop fait de folie au début, là. J'ai pris la maison, je l'ai gardée, je savais pas trop ce que j'allais faire, puis finalement, je l'ai vendue. Ça a pris un mois, je l'ai vendue. Puis ensuite, j'ai acheté un terrain peut-être dans l'hiver ou l'année d'après. J'avais l'intention de me bâtir, c'était mon rêve. Puis 2 ans après, là, on a vendu notre maison, puis je me suis bâti une maison à mon goût avec un garage. Voyons un instant comment ça a changé la vie de Mme Sylvie Poirier en 2014 de gagner la maison. Gagner la maison Moisson-Beauce, ça a vraiment changé ma vie d'une façon très positive. Ça m'a permis, entre autres, parce que moi, j'ai pas pris la maison, j'ai pris l'argent. J'ai 2 enfants qui vivent assez loin, un en Alberta. Dans le temps, c'était 2 en Alberta. Donc, ça m'a permis de prendre cet argent-là puis pouvoir aller les visiter régulièrement. De son côté, M. Daniel Pelletier et sa famille demeurent toujours dans la maison qu'il a gagnée en 2016. Ça a changé énormément de choses. Premièrement, au niveau de la sécurité financière, c'est sûr que dans une hypothèque de maison, on sait que au niveau familial, c'est ce qui est plus insécurisant. Alors ça, c'est quelque chose qui a changé énormément. On pourrait dire aussi que ça nous a apporté une belle légèreté, une légèreté dans nos paiements, effectivement, une légèreté financière, une légèreté au niveau de nos tracas quotidiens. Ça nous a amené aussi beaucoup moins de stress dans notre vie de couple. Regardons maintenant ce que ça a changé dans la vie de Mme Martine Gilbert, gagnante de l'année dernière. Dans notre cas, ce que ça l'a apporté, je dirais, c'était plus comme une sécurité financière supplémentaire pour notre famille. Étant donné qu'on avait déjà notre maison, ça nous permet d'aider notre fils à acquérir la sienne. Et si la chance vous souriait et c'était vous le gagnant cette année, que feriez-vous? Faites vite, le tirage est le 28 mars au BMR, la Coop Alliance de Saint-Georges. Gagnez votre maison, c'est possible! Avez-vous votre billet?